Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qu'on m'a posée hier par email. C'est quelle solution utiliser pour créer son premier webinaire? Quelle solution simple pour une débutante ou un débutant qui souhaite se lancer donc dans la création d'un webinaire pour vendre un produit, un service, etc. Alors, cette question-là est très intéressante, donc je tenais à faire une vidéo pour donner mon avis, donner mon point de vue sur ça, parce que j'ai testé beaucoup de logiciels, beaucoup de scripts, beaucoup de solutions, bref. Donc, j'ai un retour qui peut être intéressant pour vous, si vous voulez vous lancer. Et donc, aujourd'hui, si vous souhaitez lancer une activité ou créer un webinaire pour commercialiser un produit, etc., vous êtes débutant ou débutante, eh bien, écoutez ce qui suit. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est déjà d'avoir les idées claires sur ce que vous voulez vendre. Ça, c'est déjà logique. Et savoir un petit peu quelle tarification vous voulez proposer sur votre produit. C'est un produit à 100 euros, un produit à 500, un produit à 1000, etc. Un accompagnement beaucoup plus cher. Déjà, essayez de savoir quelle offre vous allez proposer. Autre petit point. Il est dit souvent, enfin, des personnes disent qu'un webinaire, ça sert à rien de faire un webinaire si le produit est en dessous de 500 euros, en dessous de 300 euros, etc. Mais n'écoutez pas les autres personnes. Faites ce qui vous plaît, faites ce que vous voulez. J'ai vu récemment une étude de cas, une personne qui vendait des produits à 80 euros faire 12 000 euros de vente lors d'un webinaire. J'ai vu une autre personne vendre des produits à 1000 euros, faire plus de 100 000 euros lors d'un webinaire. Peu importe finalement ce que vous vendez, finalement, ce qui est intéressant, c'est de savoir quel prix vous vendez et éclatez-vous. Faites votre webinaire, donnez-vous un maximum, essayez d'avoir un maximum de monde à votre webinaire, bien sûr, mais déjà, établissez un tarif, établissez une offre que vous allez faire lors de ce webinaire. Ça, c'est la première chose très importante. Ensuite, il y a la solution. Solution clé en main, solution peut-être à laquelle il faut mettre les mains dans le cambouis, quelle solution choisir pour faire votre webinaire ? Aujourd'hui, vous avez besoin juste de quoi ? Une webcam, un micro. Simplement, c'est très simple. Alors, le micro, la webcam fait logiquement affaire. N'hésitez pas aussi à mettre une petite lumière quand même pour pouvoir être lumineux lorsque vous allez faire votre webinaire, que les gens puissent vous voir. Si vous partagez que des slides, eh bien, ce n'est pas grave, pas besoin de webcam. Mais en général, le webinaire, c'est bien de se montrer parce que les gens aiment voir à qui ils ont affaire. En plus, c'est du direct, donc ils peuvent vous poser vos questions, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. Le logiciel que vous pouvez utiliser, il en existe plusieurs. Il existe GoToWebinar, Webinar Jam, je parle des deux parce que c'est un peu similaire finalement, simplement GoToWebinar me semble un petit peu plus cher que Webinar Jam. Webinar Jam fait bien le job, très bien, vous avez 15 jours, enfin 14 jours gratuits à 1$, pas vraiment gratuit mais c'est quasiment gratuit, vous pouvez tester pendant 14 jours. Vous pouvez créer page d'inscription, page de webinaire, customiser l'interface de votre webinaire, customiser les mails que vous allez envoyer avant et après. Bref, vous pouvez faire beaucoup de choses, faire des sondages, etc. Vous pouvez faire une offre. Donc, l'offre va se publier en ligne sur le chat au moment où vous déclenchez le bouton. Bref, c'est une solution clé en main faite pour les webinaires. Donc, personnellement, en un, je vous recommande Webinar Jam. Facile, assez simple à prendre en main. 14 jours gratuits, 1$. Ça suffit amplement pour tester. Après, la solution coûte 499$. À voir. Si vous faites des ventes lors de votre webinaire, ça peut financer le coût ultérieur de la solution et ensuite vous pourriez partir dessus sur un an, c'est plutôt pas mal. La deuxième solution que je peux vous suggérer, c'est Learnybox. Alors Learnybox, je ne suis pas fan de Learnybox pour la simple et unique raison, c'est que leur service commercial, je les trouve bidon. Mais bon, ça c'est une mauvaise expérience que j'ai eue moi personnellement, donc je tiens à le préciser parce que ils n'ont jamais vraiment répondu, donc je trouve ça naze de leur part, mais ça, c'est un choix personnel. Par contre, il faut avouer qu'ils ont une solution clé en main. Alors, leur solution clé en main est plutôt bien. Vous pouvez faire des pages de vente, des pages d'inscription, votre webinaire, vous avez tout en un. C'est un peu la boîte à outils du webinaire. Par contre, la mise en page des pages, franchement, c'est à revoir. Ils sont vraiment à la rue là-dessus. C'est pas facile à prendre en main. Je trouve que c'est pas ludique, pas bien fait. Ça se fait quand même, mais pour avoir un beau rendu, il faut quand même bûcher un moment. Donc, si vous prenez la solution clé en main avec les templates déjà préfaits, ça suffit amplement. Bien que les templates, je ne les trouve pas très sexy, mais ça peut suffire largement pour créer votre premier webinaire. C'est une solution qui permet d'avoir, je crois, 15 jours gratuits ou un mois gratuit pour tester. Et après, ça coûte de mémoire, quoi, je crois, 90 euros par mois. Mais vous avez vraiment tout. Donc, c'est le package que je mettrai en numéro 2, Learnybox. Ensuite, vous avez Zoom. Zoom, le problème, c'est que vous pouvez vendre par webinaire, mais Zoom est plus adapté malgré tout à faire des réunions de groupe, des coachings, plutôt que de vendre. Pour l'avoir testé,
J'ai pas réussi à vendre lors d'un Zoom, ce qui est assez paradoxal et assez bizarre. Par contre, sur un webinaire Jam ou l'Handybox, sans problème. Parce que Zoom est plus adapté à faire des rooms de conférences, de coaching, voilà, plus dans le sens à apporter de la valeur plutôt que d'aller vendre un produit. Alors, Zoom n'est pas très cher en plus, il coûte à peu près 15 dollars, je crois, en service réunion et en service webinaire, je crois que ça coûte 45 dollars. C'est bien, mais ce n'est pas très adapté pour vendre un produit lors d'un webinaire. Donc vous pouvez le tester, peut-être que ça marchera auprès de votre audience. C'est une solution à moindre coût. Par contre, vous allez devoir essayer de trouver une solution pour créer des pages d'inscription qui sont plus sexy. Parce que sur Zoom, il ne faut pas se leurrer, les pages ne sont pas très jolies. Les relances email en plus sont un peu pourries. Donc il faudrait une solution qui vient se plugger à Zoom. Et là, je vous conseillerais peut-être, je sais pas, d'utiliser peut-être Divi ou d'utiliser ThriveTheme, qui c'est un plugin que vous avez pour installer sur votre WordPress. Vous pouvez connecter à Zoom, c'est pas mal, mais là, ça fait deux solutions. C'est un petit peu le bordel. Donc, si vous cherchez une solution clé en main pour débutants, vous voulez démarrer, je vous conseille GoToWebinar ou Webinar Jam. Personnellement, je choisirais Webinar Jam et Learnybox, qui sont les solutions les plus adaptées. Maintenant, vous avez la solution également System.io, System.io, qui fait bien le job, je crois, pour 47 euros par mois à peu près. Vous avez toute une solution clé en main. Vous pouvez créer un webinaire, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, vous pouvez créer un webinaire en evergreen, c'est-à-dire un webinaire en différé. Donc, la solution est bien, facile à prendre en main. Vous pouvez faire des tunnels, etc. Classique. Personnellement, là, cette solution-là, je ne l'ai pas testée pour les webinaires. Par contre, je l'ai testée pour les pages demandes. Donc, ça suffit amplement. Voilà, pas partir dans tous les sens. Un webinaire simple pour un débutant, Webinar Jam. Pourquoi pas Learnybox ou alors System.io. Et en dernier recours, pourquoi pas Zoom, qui est une solution très peu onéreuse. Mais très sincèrement, avec les solutions existantes sur le marché, les périodes de test que vous avez, vous pouvez essayer le produit. Petite astuce pour Webinar Jam, si vous testez 14 jours gratuits, désabonnez-vous. Et quelques jours après, vous allez recevoir un lien pour faire une période de trial, donc d'essai pendant un mois. Donc ça vous permet de prolonger d'un mois de plus la période pour tester le produit. Et vous allez voir que c'est très simple. Et en tout cas, personnellement, Webinar Jam s'est bien amélioré, donc a beaucoup apporté au niveau de la fluidité lors du webinaire, a créé des boutons d'urgence si jamais, etc. Vous rechargez la page, ça revient sur la room. Bref, ils se sont très bien améliorés depuis quelques mois. La solution a changé, donc ils ont revu le noyau. Donc, si j'avais un conseil à vous faire, c'est Webinar Jam en premier et après vous utilisez la solution qui vous convient. Mais en tout cas, utilisez les solutions qui vous offrent une période gratuite. Comme ça, vous pouvez faire votre premier webinaire gratuitement. Vous êtes à l'aise là-dessus, vous prenez le temps. Faites le temps de faire votre webinaire, de faire la relance, etc. Donc, ne vous mettez pas la pression avec un logiciel qui coûte très cher. Prenez la solution gratuite pendant les quelques premiers jours et testez. Ça, c'est le conseil que je pourrais vous donner pour les personnes qui veulent se lancer dans les webinaires et qui sont débutantes et qui veulent vraiment aller sur une solution simple, clé en main et facile d'accès. Donc, Webinar Jam, encore une fois, j'en parle, j'ai pas d'action chez eux, mais c'est une solution que j'ai testée et approuvée. Testez, essayez, et en tout cas, chaque solution finalement est propre à vous. C'est la solution dans laquelle vous allez vous sentir le plus à l'aise. Vous verrez que Webinar Jam est facile à prendre en main, mais après, il y a d'autres solutions. Testez, et voyez, et lancez votre premier webinaire. C'est aussi simple que ça, mais ne partez pas dans une recherche de produits parfaits pendant 6 mois. Vous allez perdre du temps. Lancez-vous, testez avec la période d'essai, et voyez après si la solution vous a convenu ou pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a renseigné sur le sujet, vous a apporté une réponse à cette fameuse question. J'espère que vous vous lancerez rapidement, que vous n'attendrez pas 107 ans. Allez-y, lancez-vous maintenant et choisissez après votre solution. Mais faites ce que vous avez envie de faire, c'est lancer votre premier webinaire tout de suite. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Si cette vidéo est sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer en dessous pour vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à cliquer pour la petite cloche et recevoir donc une notification des prochaines astuces et conseils que je vais mettre en ligne sur ma chaîne. N'hésitez pas également, si vous êtes sur YouTube, à cliquer en dessous pour télécharger la formation. J'ai une formation, j'offre une formation gratuite, comment trouver vos clients, comment récupérer un maximum de clients sur Internet. Je vous donne plus de 50 méthodes, etc. Il y a tout un panel, toute une aide là-dessus, une formation complète de plus de 2 heures. Cliquez sur le lien dans la formation juste en dessous, vous allez pouvoir la télécharger gratuitement et bénéficier donc de cette formation. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!